Enfin, l'ambiance générale est quand même très délétère, surtout si on ajoute ce qui est en train de se passer au plan économique et financier, avec une chute des marchés américains et européens, avec des manifestations en Angleterre difficilement contenues, mais aussi au Venezuela, mais aussi au Bangladesh, mais aussi au Nigeria. Si vous voulez, il y a des foyers de déstabilisation plus ou moins, où on met plus ou moins de l'huile sur le feu, mais où parfois on finit par être gêné même par le feu qu'on a mis soi-même. Donc il y a un risque de contagion qui est inquiétant. Bien sûr, il ne faut pas oublier les outils qui vont continuer notamment à menacer bien sûr des bâtiments américains ou des bases américaines en Irak. Si les Américains s'approchent trop du Yémen, je pense que ça va mal se passer. Il y a déjà eu d'ailleurs des attaques. Il y a eu aussi une attaque récente sur une base de renseignement israélienne au large de l'Érythrée, donc face au Yémen, sur un petit archipel qu'Israël a loué puis plus ou moins annexé. Il y a eu aussi, alors ça c'est la résistance irakienne a priori, qui a attaqué une base aérienne américaine en Irak.